pour un nouveau challenge et c'est un challenge que vous attendez encore depuis très longtemps et c'est le canular téléphonique. Ah oui ! Alors le principe est simple, on va tout simplement appeler des gens et on va leur faire des blagues. Bah oui ! Bah oui ! Alors c'est Loulou qui commence, on va appeler ma maman, donc sa mamie, et elle va faire croire qu'elle a fait ses valises et qu'elle en a marre et qu'elle veut partir. Est-ce qu'elle va répondre ? Ma mère décroche. Allô ? Allô, mamie ? Ça arrive à plus, ça va ? Pas très bien. Pas très bien, qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais partir de là. Tu vas partir de moi? J'ai fait mes valises. Tes habits? Oui, parce que j'en ai un peu plus d'être à Menton. Ah, tu veux quitter Menton? C'est quoi ça? Coquine, hein? Elouane ne sait pas tenir une blague plus de 10 secondes. Non, 50 secondes, bon ça va. J'en ai un peu plus de réponse. Bon, hein. Je crois qu'elle a compris, mamie, que c'était une blague. Non, c'était une blague. Bon, maman, voilà, tu seras sur YouTube bientôt. On fait une vidéo canular et Louane devait te faire croire qu'elle voulait partir de la maison, mais... C'était une blague, je me suis dit. Bon, Louane. Quoi? Les mensonges. Pour... Normalement, t'as pas le droit, mais là, aujourd'hui, t'as le droit. Il faut pas rire, il faut tenir longtemps. En plus, t'étais bien, là. Ouais, mais ça fait trop rire. Alors moi, je vais appeler ma poupée d'amour, Jenny. Et on va lui faire croire qu'on lui fait une surprise et qu'on est en bas de chez elle. Ouais. Donc en fait, elle va peut-être sortir nous chercher, mais en vrai, on n'est pas là, quoi. Ouais. C'est bon. Elle ne va pas décrocher. Allô ? Oui, ma poupée ? Allô ? Oui ? Ça va ? Oui, et toi ? Ça va. Je t'entends pas. Attends, c'est parce que je donne mes compotes au petit, attends. Allô, tu m'entends? Oui, t'es où? T'es chez toi? Oui, pourquoi? On t'a fait une surprise, on est là. T'es toute nue? Oui, non, je suis pas habillée. Vous êtes où? On est devant ton portail. Ah, ok. Ah, tu veux attendre 2 secondes? On t'attend. Merci. Mais raccroche pas, hein! Non, non, mais elle a raccroché! Bon, on attend, elle va me rappeler parce qu'elle va pas nous voir en fait. La pauvre, elle s'habille exprès pour venir nous voir. C'est pour un rappel. Oui? Bah, c'est tout! Bah, on est en haut? Comment ça en haut? Mais sur le portail du haut? Ah, tu peux pas monter, mais je sais pas, il y a un portail fermé, on n'arrive pas à ouvrir. Attends. Mais, ah. Gueule, en fait. Mais non, je te vois là, tu me vois pas. Loulou, crie, appelle Jen. Jen! Tu nous entends? Tu nous entends? Non, non, t'es en train de te foutre de ma gueule. Ma poupée, tu vas passer sur YouTube parce que tu fais partie d'un canular téléphonique et tu as plongé dedans. Voilà, toi aussi. Gros bisous. Bisous, ciao. Yeah, yeah, yeah. Bon, Jenny, je suis désolée, mais... t'as plongé dedans. Je suis sûre qu'elle était là en train de s'habiller vite pour venir nous voir, mais non, on était bien au chaud dans notre atelier. Bon, du coup, Loulou, vu que la blague, elle a pas marché avec mamie, tu vas refaire la même blague, que t'as fait tes valises et que tu veux partir, mais t'appelles papy, mon papa. Quoi, okay. Mon papa, ton papa? Bah, t'appelles papito. Ah, mais ils vont me gronder en mais fait. Mais non, tu lui fais croire, tu dis, j'ai fait mes valises, j'en ai marre, je veux partir. Jean-Marie. Oui, allô? Papy, je veux partir de à Menton. Où tu es dans ma puce? Mais je suis à Menton, je veux partir. Partir où? Chez toi. Ah, tu vas venir me voir à la maison, mais je suis pas bien. Non, j'ai fait ma valise, je veux partir.
Mais tu vas partir où? Mais à une autre ville. Oh, tu vas partir à Paris, je suis sûr. Ben oui, mais je vais plus revenir en temps. Oh non, 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 tu vas revenir dans quelques jours. Coquille. Non. Oui, 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 moi je sais que tu vas revenir. Non, même pas. Même pas? Mais je veux plus me voir, quoi. Maman. C'est ça, tu veux. Je vais partir et en plus, maman, elle ne sait même pas. Tu pars toute seule alors, avec ta petite valise? Oui. Eh ben, dis donc. Et où elle est, la maman? Où elle est, la maman? Elle n'est pas là. T'es une coquine alors, hein? Et non, mais c'est pour du vrai. Ouais, ben alors fais attention, hein, toute seule quand même. C'est dangereux à ton âge, hein. Je rigole, c'est une blague. Ah, bon, c'est bien, parce que si un jour Louane fugue de la maison, je sais que papy, il sera là, quoi. Tu seras sur YouTube. Eh oui. Ah, c'est bien, ma puce. Bon, Loulou, ouais. Franchement, t'es une bonne menteuse, quand même. Ouais. Hein, papy, bon, bah, il a pas trop cru au truc, mais quand même, t'as très très bien joué. Bon, alors maintenant, Louane, elle va appeler un restaurant et elle va réserver une table pour ce soir, pour son amoureux et elle. Ok? Ouais, eh oui. Bonjour monsieur, c'est pour réserver une table avec mon amoureux. J'ai pas entendu. Je vais réserver une table avec mon amoureux pour ce soir. Oh mon dieu, comment il s'appelle ton amoureux? Noah. Ben dis-lui qu'il vienne nous voir, on va lui faire un petit peu la misère, on va l'attacher, on va le noyer un petit peu. C'est pas gentil. Mais c'est quoi ces Marseillais? Dis-leur, franchement, vous êtes des bourreaux d'enfants. Mais vous êtes pas drôles les gens, ils ont plus d'humour les gens aujourd'hui. Hein. En plus c'est trop mignon, moi je sais qu'une petite fille elle m'appellerait comme ça, je craque quoi. Ils sont nuls. Ouais. Hein, on va leur faire de la mauvaise pub. Bouh. Bouh. Bon, on refait un deuxième restaurant. Il y a un restaurant où on va tout le temps, le Pampa à Menton, et les patrons sont des amis. Louane adore la patronne, Karine, donc elle va faire la même blague, elle va appeler réserver pour une table pour deux, et on va voir si Louane se fait démasquer, ok? Allez, vas-y. Restaurant Pampa, bonsoir. Bonjour, je suis Rosa, je veux réserver une table avec mon amoureux, s'il vous plaît, pour ce soir. Pardon? Je veux réserver une table avec mon amoureux ce soir, s'il vous plaît. Une table pour quoi? Pour mon amoureux. Pour mon amoureux ce soir. Allô? Allô? Restaurant Avanta, bonsoir. Vous avez me raccroché au nez alors que j'avais même pas répondre toute ma parole. Alors, je redis, s'il vous plaît, j'aimerais bien réserver deux tables pour mon amoureux ce soir, s'il vous plaît. Pour quelle heure? Ben, je sais pas quelle heure, ce soir, voilà. Je rigole. C'est une blague, c'est Louane, en fait. D'accord, bon, je te réserve une table pour deux, tu vas être en terrasse ou dedans? Ben, dedans. Dedans, ok, il faut de la musique et des fleurs rouges ou pas? Oui. Ouais, et tu veux manger quoi? Ben, comme... Un burger ou des nuggets? Un burger nuggets avec mon amoureux, pareil. Ok, au nom de Louane? Oui. Ok, c'est bon, c'est noté. Tu descends comment? En vélo? Mais non, c'est ma mère qui m'emmène avec mon amoureux quand même. Ah, ta mère, elle t'amène. Ok, bon ben, je ne prends une table pour deux à 8h. À tout à l'heure. Allez, bisous. Ciao. C'est trop mignon, Loulou. T'as réservé ta première table pour un repas amoureux, là. Ça fait quoi? Mais pour là, il faut y aller, hein, ce soir, maintenant. Ah, du coup, tu vas vraiment au restaurant avec Noah? Ouais. Bah alors moi, maintenant, je vais appeler ma cousine Déborah et je vais lui faire croire qu'il y a une photo d'elle sur Facebook où elle est toute nue. Allô? Oui, la couse, ça va? Oui, toi. Ouais, je sais pas si t'as vu, mais sur Facebook, il y a une photo de toi à poil. Pardon?
Mais oui, je l'ai signalé, la grave, j'ai appelé tout le monde pour qu'il la signale. Alors, je sais pas, je te jure que c'est vrai. Mais c'est sur quel profil? Attends, je te dis. Allô? Ouais. Ouais, c'est Mathieu Brideau. Mathieu Brideau? Ouais, mais vas-y vite, hein. Franchement, je sais pas si c'est une vraie photo, mais ça, c'est craignos, hein. Bah, allez, là, coup, j'arrête, j'ai envie de pleurer et tout. Hein. Mais non, mais c'est pas une blague. Mais. Tu peux vite regarder sur Facebook Mathieu Brideau, il y a une photo de moi à toi. Ouais. Bah, ouais. Bah, je sais pas. Mais parce qu'il y a pas que toi, hein. Il y a plein d'autres nanas et apparemment c'est que des meufs de menton. Comment ça s'écrit, Brido? B-R-Y-D-O. B-R-Y-D-O. J'espère que t'es pas en train de filmer une connerie genre canular téléphonique. Maman, va sur Facebook, va voir Mathieu Brido. Y'a Louane, ne sois pas vulgaire comme ça. J'ai dit une saloperie. Ouais. Oh, t'es vraiment, je te déteste. Bon, je t'ai fait des grands bisous d'amour. C'était une blague, ouais. En fait. Oui, elle a compris que c'était une blague, Tata. Bisous. Ouais, ciao. Ciao. Mais à coup de pas, parce que je sais que tu vas te venger, que ce sera terrible, mais j'ai trop bien rigolé. C'était drôle, hein. Elle a couru, Tata, comme ça, couru. Et voilà, notre premier canular téléphonique est terminé. On aurait aimé en faire plus, mais de nos jours, les gens décrochent plus au téléphone, c'est fatigant. Donc bah, c'est pas grave, on en fera un autre. On espère en attendant que le premier vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un max de pouces bleus. Abonnez-vous à notre chaîne, là, juste là, là. Là-haut. Et puis on vous fait des très gros bisous d'amour et puis à très vite. Ciao. Des gros pouces bleus aussi. J'avais oublié des gros bisous.